La bande dessinée devient un média moderne et autonome grâce à un génial précurseur, le Genevois Rodolphe Töpffer. Écrivain, dessinateur, maître de pensionnat, professeur de rhétorique et de belles-lettres à l'Académie de Genève, Töpffer est un notable qui a vécu dans la première moitié du XIXe siècle. Pour le divertissement de ses élèves et de ses proches, il compose dans des carnets une série d'histoires comiques dont les héros sont des bourgeois ridicules. Monsieur Jabot, Monsieur Vieuxbois, Monsieur Cryptogame ou Monsieur Crépin. 7 albums sont publiés à compte d'auteur dans les années 1830 et 1840, donnant le coup d'envoi à la bande dessinée moderne. Töpffer ne raconte pas une page d'histoire comme la tapisserie de Bayeux, ni des épisodes des Saintes Écritures comme les manuscrits enluminés, mais des récits inventés de toutes pièces, c'est-à-dire de la fiction. Ainsi, Töpffer accomplit un double geste décisif. Il établit la bande dessinée comme littérature et il l'introduit dans le circuit de l'imprimé et de la librairie. Il élabore aussi une réflexion théorique. Il insiste notamment sur la vie qui doit animer le dessin et sur l'importance des expressions prêtées aux acteurs de papier. Les albums de Töpffer sont repris, sans son autorisation, par l'éditeur parisien Aubert. Dirigé par Charles Philippon, la maison Aubert règne sur l'école française du dessin satirique. Elle publie, depuis le début des années 1830, les deux principaux journaux spécialisés, La Caricature et Le Charivari, auxquels vient s'ajouter en 1848 le Journal pour rire. Certains des dessinateurs qui participent à ces journaux, comme Cham, Edmond Forest ou Gustave Doré, vont créer des albums à l'imitation de ceux de Töpffer. Quant à Philippon, il crée la première collection de bandes dessinées dans l'histoire de l'édition française. Il l'appelle « Collection des Jabots », en référence au titre inaugural « L'histoire de Monsieur Jabot » par Töpffer. Gustave Doré est le plus inventif parmi les émules de Töpffer. Il publiera 4 albums, ses principales œuvres de jeunesse. Et à 22 ans, il délaissera définitivement la bande dessinée pour se tourner vers la peinture et l'illustration. Méliès le magicien, d'ailleurs c'était un véritable magicien qui était présent lors de la première projection du cinématographe le 28 décembre 1895 par les frères Lumière. Immédiatement, Méliès, qui a son théâtre de magie, comprend qu'avec cette boîte en bois, le cinématographe, il va pouvoir faire des miracles et inventer les effets spéciaux. Par exemple, en 1896, l'homme de tête. L'idée est très simple. Pourquoi Méliès ne jouerait-il pas avec Méliès, Méliès et Méliès? Regardez. Le moyen qu'il va utiliser est le suivant. Il va compter les images. Il va tourner une tête dans le noir. Puis il va remonter le film. Et sur le même film, il va tourner une deuxième tête également sur fond noir. Puis une troisième. Puis enfin, il va s'incruster droit, donc dans une quatrième exposition, et il va faire disparaître les têtes au moment du coup de guitare, exactement en même temps, et ça, seul un magicien peut le faire. Un jour, Méliès filme la place de l'Opéra. On y voit un autobus, mais tout d'un coup, la caméra se bloque. Ah, ah ! Le temps de la faire redémarrer, l'autobus est parti, et au même endroit, il y a un corbillard. Évidemment, au moment de la projection, Méliès est absolument... mais ébloui, le bus se transforme en corbillard en arrêtant la caméra et en reprenant un peu plus tard. Aujourd'hui, ça semble simple, mais à l'époque, c'était miraculeux. Exemple de ce trucage, voici le déshabillage impossible. Principe très simple, Méliès arrête la caméra, il se change et il reprend le tournage jusqu'à l'interruption suivante. C'est extrêmement simple, mais c'est aussi extrêmement efficace.
Regardez Méliès, Méliès, Méliès et Méliès dans leur grand orchestre. Méliès est un homme de scène et pendant 15 ans sur la scène de son studio à Montreuil, il va tourner des fantaisies, des diableries. Il va faire jouer les actrices du théâtre du Châtelet. Il y aura des trappes, il y aura du feu, il y aura le diable, il y aura de la couleur, du relief, du son. Bref, Méliès est l'inventeur du spectacle cinématographique. Avant de prendre les pinceaux, Picasso multiplie les dessins préparatoires. Pour les Demoiselles d'Avignon, par exemple, il a réalisé pas moins de 800 études. Ce qui fait l'originalité de Picasso, c'est plutôt l'impression que donne ce foisonnement de dessins, la sensation de saisir le processus de création en plein mouvement, comme si le dessin fixait chacune des étapes de sa pensée. Son ami Christian Zervos décrit la manière dont le peintre dessinait sans gomme. Picasso ne rature ni n'efface. Il reprend figures et objets dans des esquisses très rapides et consigne sur le papier une infinité de formes et de mouvements que la mémoire eut peine à retenir. À côté de ce travail préparatoire, Picasso a aussi pratiqué le dessin pour lui-même. Il s'agissait d'un espace d'une très grande liberté, celui par exemple de l'érotisme assumé, plus fort encore que dans sa peinture. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, Picasso ne s'est jamais limité à une seule technique. Il a tout essayé. Crayon de papier, crayon de couleur, fusain, sanguine, encre de Chine, gouache, plume. Observez le portrait de son épouse Olga au début des années 1920. Il fait cohabiter le pastel pour la partie supérieure et le fusain pour la partie inférieure. Picasso pouvait même mêler avec une grande originalité le dessin à d'autres techniques. C'est le cas des papiers collés, le genre inédit inventé avec Braque en 1912, où le dessin et la peinture se mêlent aux éléments découpés et collés sur un support. Grâce au dessin, on peut aussi mesurer à quel point le style du maître était varié. Picasso était capable aussi bien de faire surgir une forme par l'opposition puissante des contrastes que par un simple trait expressif. En rythme, Paul Klee construit un espace en apparence austère et ordonné qui fait immédiatement penser à la surface d'un damier. L'alternance répétée des trois non-couleurs, noir, puis gris, puis blanc, semble former une trame monotone. Mais l'œil est bientôt interpellé par les irrégularités très visibles de la matière, les coups de pinceau, posés en stries horizontales ou verticales, animent la surface picturale d'une vibration presque anarchique. Tantôt accompagnant la lecture de gauche à droite, tantôt ralentissant cette lecture par un mouvement contraire. Ici et là, les transitions d'une couleur à l'autre semblent contaminées par cette énergie du geste. La rupture entre le gris et le blanc s'estompe, créant une sorte de glissando d'une teinte à l'autre. L'inconstance des surfaces, par ailleurs, achève ce sentiment d'une respiration irrégulière qui traverse le motif. La succession des couleurs finit par s'altérer. La règle se délie, laissant place à un ordre improvisé. Au fur et à mesure de son déroulement, sur la toile, la composition sort du système de départ pour en inventer un autre, mêlant diversité et harmonie, mouvement et équilibre. L'abstraction du noir, du gris et du blanc fait évidemment penser à la notation musicale classique, où les durées sont entre autres exprimées par le blanc et le noir. S'échappant avec légèreté de la métrique musicale, c'est une poésie visuelle des durées, qui prend forme dans l'espace pictural. Paul Klee a placé ce motif sur un fond ocre, une couleur chaude, presque terrienne. L'œuvre est peinte sur une toile de jute, support inhabituel qui contribue, par son tissage grossier, sa texture accidentée, à ancrer le rythme abstrait dans la matière. Thank you.
Roman Opalka est né en France en 1931. Après avoir passé sa jeunesse en Pologne, il s'installe définitivement en France en 1977. Il meurt à Rome en 2011. Il réalise tout d'abord une série de peintures grises saturées de petits signes blancs qui révèlent l'influence du peintre runiste Stravinsky. Puis, en 1965, Opalka se lance dans une singulière entreprise qui détermine toute son œuvre, représenter l'écoulement du temps. Sur la première toile qu'il réalise alors, il inscrit à la peinture blanche, en haut à gauche, et sur un fond noir, le chiffre 1, puis le chiffre 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il parvienne au bord inférieur droit de la toile. Pour chaque nouveau tableau, qu'Opalka appelle un détail peinture, 1% de blanc est ajouté au noir du fond, ce qui annonce un moment où il faudra lire et compter en blanc sur blanc. Après chaque journée de travail, Opalka photographie son visage devant la toile en cours. La tenue de l'artiste et l'éclairage de la scène sont toujours les mêmes. En parallèle, il enregistre sa voix énonçant la suite des nombres en polonais. Quand il s'absente de son atelier, Opalka n'interrompt pas pour autant son labeur. À la plume et à l'encre, il poursuit son décompte sur des feuilles de papier au format identique qu'il nomme ses cartes de voyage. Jusque-là, la peinture avait été considérée comme un art de l'espace. Songez à Jackson Pollock dansant au-dessus de sa toile pour la couvrir de projections de peinture. Avec Opalka, la peinture devient un art du temps. Son œuvre joue d'une tension remarquable entre répétition et différence. Répétition du même protocole, des mêmes gestes pendant plus d'un demi-siècle. Différence des nombres, des nuances chromatiques. Et enregistrement de ce qui, par définition, ne se répétera jamais, un fragment de temps. Cette image de 1917 de Paul Strand est intitulée « The White Fence » ou « La barrière blanche ». Elle marque une rupture fondamentale dans l'art de photographier. Strand est un des premiers à renoncer à l'esthétique pictorialiste. Son idée, saisir le réel immédiat dans sa pure objectivité en utilisant les ressources techniques que lui offre son appareil. Même le tirage, qui pourrait dénaturer le sujet, est réalisé sans artifice ni manipulation. Si la peinture se compose, la photographie, elle, se cadre, et cette image en est un bel exemple. Strand n'a pas centré son sujet, mais l'a organisé sur toute la largeur et la hauteur du cadre. Observez la tension qui se dégage entre ce qui est visible dans l'image et ce qui ne l'est pas. La barrière blanche au premier plan vient structurer l'image tel un squelette sur toute sa longueur. Quant à la profondeur, elle ne repose pas sur un procédé illusionniste ou une fausse perspective, mais sur un jeu de contraste entre des masses claires et sombres. Cette frontalité des plans et le rejet des points de fuite sont définis par Paul Strand sous le terme de planéité optique. Pour le photographe, le sujet de cette image, une simple barrière, a une valeur profondément métonymique. Elle était très vivante, très américaine, un véritable morceau du pays, explique-t-il. Le purisme photographique de Strand inspirera de nombreux photographes. Cette image d'un bel immeuble de Chicago prise par Harry Callahan 30 ans après la barrière blanche en est un bel exemple. Au XXe siècle, la photographie, poussée par l'industrialisation, la photo amateur et la demande croissante d'informations, est avant tout documentaire. C'est d'abord aux États-Unis que ce genre se développe, grâce notamment aux travaux de Jacob Riis ou Lewis Hine, qui militent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des classes populaires et des immigrés. Le documentaire photographique devient alors un outil pour les réformateurs sociaux. En 1935, la Farm Security Administration missionne plusieurs photographes pour rendre compte des conditions de vie des exploitants agricoles durement touchés par la Grande Dépression.
Dorothy Lange et Walker Evans sont passés à la postérité pour l'empathie et la rigueur de leurs témoignages. Dans le sillage des auteurs de la Beat Generation, comme Jack Kerouac, les photographes arpentent le territoire américain et produisent des images fortement teintées de subjectivité. Ils dressent un portrait sans complaisance de la société américaine. Parmi ces photographes, citons William Klein, Robert Frank, Diane Arbus, mais aussi Charles Arbut, Gary Winogrand ou encore Lee Friedlander. En France, les photographes Robert Doisneau, Willy Ronis ou Édouard Bouba sont les principaux représentants de la photographie dite humaniste. Ces photographes, inspirés par des écrivains comme Blaise Cendrars ou Jacques Prévert, optent pour un réalisme social poétique et font de la société française d'après-guerre leur terrain de prédilection. Leurs préoccupations sont proches d'un photographe comme Henri Cartier-Bresson. En Allemagne aussi, la question de la photographie documentaire nourrit le travail de nombreux artistes. Parallèlement aux recherches formelles de la nouvelle objectivité, August Sander entreprend une œuvre gigantesque. Il souhaite faire le portrait de la nation allemande et photographie ainsi des milliers d'anonymes. L'objectivité de sa démarche définit le style documentaire qui s'oppose radicalement au pictorialisme du début du siècle. À sa suite, de nombreux photographes vont explorer les ressources formelles de cette objectivité. Parmi les plus célèbres, Albert Rengerpaas, Werner Manns ou Karl Bosfeld. On retrouve cette démarche jusqu'à la fin du XXe siècle dans les œuvres de Bern et Ila Becher qui créent des typologies photographiques et dans le travail de leurs élèves de l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf.